atentamente a los coordinadores de todos los distritos y provincias. Un saludo especial al hermano militante Don Lucas Jameson, coordinador general de Antorcha. Indépendante depuis 1968, la République de Guinée équatoriale, située dans le golfe de Guinée, est composée d'une partie continentale, le Riomuni, et de deux parties insulaires, l'île d'Anobon et l'île de Bioko, la plus grande, abritant le siège des institutions à Malabo. Superficie totale de cette ex-colonie espagnole, 28 052 km² pour une population estimée en 1991 à 436 000 habitants. Si la langue officielle est l'espagnol, les amours tumultueuses avec Madrid et la volonté de briser l'isolement linguistique au cœur d'une Afrique centrale à majorité francophone ont favorisé l'usage du français, devenu à la suite d'un texte datant de 1986, la seconde langue de travail. Au plan économique, jusque dans les années 60, la richesse du pays reposait sur le cacao, le café et le bois. Ces produits assuraient plus de 98% des exportations. De 40 000 tonnes en 1960, la production de cacao est passée à 2 000 tonnes en 1979. Aujourd'hui, soutenue par les différents accords passés avec les institutions de Bretton Woods, elle avoisine les 8 000 tonnes. Puis vint l'éclaircie. Depuis 1992, la Guinée équatoriale fait partie des pays producteurs de pétrole. Les premières exploitations, prévues pour juin 1996, sont annonciatrices de lendemains qui chantent, à condition que la manne pétrolière soit bien gérée. Au plan politique, la Guinée équatoriale sort peu à peu de la torpeur. Après 11 années de pouvoir totalitaire, le 3 août 1979, Francisco Macias Nguema est destitué par le commandant en chef de l'armée et vice-ministre de la Défense, Teodoro Obiang Nguema Bazogo. Pour de nombreux équato-guinéens, ce sera le coup de la liberté. Durant 16 ans, il s'attelle à remettre en ordre un pays ruiné et meurtri, avec pour ambitieux objectif de faire de son pays la Suisse équatoriale. À la faveur du vent de démocratisation qui souffle sur le continent depuis 1990, la Guinée équatoriale s'ouvre au multipartisme. 13 partis politiques sont légalisés et un calendrier électoral est établi. 21 novembre 1993, les législatives, le Parti démocratique de Guinée équatoriale au pouvoir, remporte 68 des 80 sièges. 17 septembre 1995, les municipales, puis le 25 février 1996, l'élection présidentielle initialement prévue au mois de juin. 5 candidats sont en lice. Severo Moto du Parti du Progrès, Andreas Moses Mbaada de l'Union Populaire, Segundino Oyono Ada de la Convergence Sociale Démocratique et Populaire et Buenaventura Mansui Asumu du Parti de la Coalition Sociale Démocrate. Parce qu'il ne remplissait pas les conditions, Amancio Gabriel Nze est le candidat malheureux à la présidentielle 96. Teodoro Obiang Nguema Bazogo est désigné comme le candidat du PDG. Quand il parle du processus démocratique dans son pays, Teodoro Obiang Nguema Bazogo dit que c'est un essai démocratique. Essai qui s'apparente à un coup de maître, car à l'inverse des pays de la sous-région, la Guinée équatoriale n'a pas connu de soubresauts sociaux. Afin de préserver cette paix si chère, comme pour les législatives de 1993, 5 formations politiques de l'opposition ont décidé de faire partie de la mouvance présidentielle. L'UDENA de Pedro Cristino Bueriberi, le PSD de Francisco Mabale Nzang, la CLD d'Alfonso Zemekui, le PL d'Antonio Nkulu Asumu et l'UDS de Carmelo Modou qui dispose de 5 sièges à l'Assemblée. En boitant le pas à leurs aînés, les sportifs du pays ont également apporté leur soutien à ce passionné du jogging qu'est Teodoro Obiang Nguema Bazogo. La liste des candidats rendue officielle 3 semaines avant le scrutin, la fièvre électorale s'empare de Malabo. Fort de cette popularité, Teodoro Obiang Nguema Bazogo aborde l'élection du 25 février 1996 avec une sérénité certaine. Alors, une élection anticipée se justifiait-elle? Au cours d'un entretien qu'il nous a accordé, le chef de l'État s'en explique en français, preuve que le bilinguisme dans ce pays est une réalité. La raison de convoquer les élections anticipées, c'est un problème de sécurité, sécurité nationale, sécurité pour le développement économique.
Cette année, on a dit, pendant les messages de fin de l'année, que nous voulons consacrer tout notre effort pour le développement de notre pays, le développement, mais bien sûr, l'économique. Mais si nous, on retarde le date, c'est-à-dire on va gaspiller, on va perdre l'année que nous devons commencer à travailler, mais je pense qu'il faut anticiper les élections. C'est seulement un processus que nous devons faire et tous les partis politiques connaissent que les élections auraient lieu en 1996. Est-ce que, Monsieur le Président, le fait d'anticiper cette élection présidentielle, à l'instar du comportement qu'ont eu vos homologues dans la sous-région, je ne vais peut-être pas citer de pays, est-ce que ce n'est pas une stratégie politique pour dérouter l'opposition équato-guinéenne? Ah non, 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 non. Je pense que... vous pouvez contacter avec les partis politiques de l'opposition parce que maintenant il y a 5 candidats et moi je fais le 6 candidat, c'est-à-dire tout le monde est d'accord, mais on avait dit pendant l'année passée qu'on va convoquer la sélection, mais nous ne pouvons pas dire que c'est anticipé, c'est-à-dire tout le monde il savait que on va convoquer les élections. Mais c'est-à-dire que maintenant, ce n'est pas une surprise pour le parti politique. C'est un résultat normal. Est-ce que techniquement, tout a été mis en place pour que les élections se déroulent normalement, c'est-à-dire avec les bureaux de vote, avec tout ce qu'il faut pour que ce processus de démocratisation qui arrive à son terme puisse connaître un succès? Effectivement, parce que je pense que dans l'ordre technique, il y a deux questions. C'est le renseignement de la recensement et les préparations pour les élections. Je pense qu'on avait fait les élections municipales le 17 septembre, c'est-à-dire le renseignement de l'année passée. Et je pense qu'il est valable en ce moment pour pouvoir organiser les élections en cette année. On a fait un processus pour actualiser, c'est-à-dire pour pouvoir inscrire les gens, les jeunes qu'on a remplis de 18 ans qui pour participer dans cette élection. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes à faire. Seulement le problème de la carte des électeurs. Parce qu'on avait trouvé que pendant les élections municipales, on avait fait certaines manœuvres pour les cartes. On a changé seulement les cartes de l'électeur. C'est-à-dire, en ce qui concerne l'organisation, on avait déjà avec tout le matériel pour organiser les élections présidentielles. C'est-à-dire, maintenant, il n'y a pas aucun problème en ce qui concerne l'ordre technique pour l'organisation des élections présidentielles. Et quelles garanties vous donnez à l'opposition guinéenne pour assurer la transparence de ces élections? Bon, je pense qu'il y a certains règlements qui sont partout, c'est-à-dire comment on va dérouler les élections. Les élections, je pense qu'on a invité les observateurs internationaux. Il y a une commission américaine qui est la commission qui surveille pour le système de la sélection. On a visité la commission électorale, il avait tous les processus, comment on va faire tout ça. Ils sont très satisfaits. Et je pense que seulement en ce moment, il faut que tout le monde sache comment il va se dérouler les élections en ce moment, parce que maintenant, on organise, tout le monde organise maintenant, à niveau de province, à niveau de circonscriptions électorales, c'est-à-dire tout qu'on va faire la participation en même temps du parti de l'opposition pour pouvoir participer avec son représentant qui va contrôler les élections à niveau des bureaux de vote. À l'aube de l'an 2000, Monsieur le Président, quel est le projet de société que vous proposez au peuple équato-guinéen? En principe, toujours, je dis qu'il faut que tout le monde accepte la démocratie.
la démocratie pluraliste, parce que c'est le bon système qui permet tout le monde de participer à ce qui concerne le problème public. Quel bilan vous faites-vous, puisque vous postulez pour un premier mandat issu des élections libres? Est-ce que vous êtes satisfait de ce mandat, du dernier mandat? Bon, en ce qui concerne à moi-même, je pense que je suis l'auteur de tous les processus de la démocratie actuelle. Vous savez que notre pays avait passé beaucoup de difficultés parce qu'on avait connu un régime dictatorial. Mais après de surmonter toutes ces difficultés, on avait commencé à réorganiser la société nationale à niveau des villages, à niveau des circonscriptions, à niveau d'institutions. Je pense que ma satisfaction en ce moment, c'est voir comment nous pouvons arriver à le sommet de notre projet de développement. Monsieur le Président, si vous arrivez de perdre cette élection présidentielle, quelle image de vous voudriez-vous que le peuple équato-guinéen retienne de vous au bout de 16 ans de pouvoir? Bon, je pense que c'est normal. Quand on accepte la concertation, c'est-à-dire l'affrontement à la démocratie, on attend deux résultats, la victoire ou bien le défaite. Mais s'il y a bien la défaite, c'est-à-dire c'est la volonté de notre peuple. Je ne peux pas dire pour m'opposer, parce que tout ce que nous faisons maintenant, c'est pour la volonté populaire. Je pense que j'incarne la démocratisation de notre pays. J'incarne la paix, la unité nationale, parce que pendant mon régime, il n'y avait pas de problème que peut poser à notre peuple en ce qui concerne les désordres, les problèmes qui concernent contre la unité nationale, la sécurité. Je pense que c'est même la population, c'est lui qui va donner l'impression de ma personnalité en ce qui concerne les travaux que j'ai faits à niveau des politiques. Effectivement, Monsieur le Président, contrairement aux autres pays de la sous-région d'Afrique centrale ou même d'Afrique de l'Ouest, le processus de démocratisation ici en Guinée équatoriale a été conçu sans douleur. C'est peut-être un point à votre actif. Il existe en Guinée équatoriale une dizaine de partis politiques. Quel regard vous jetez sur l'activité de ces partis? Je peux faire une analyse en ce qui concerne le spectre de le processus, c'est-à-dire l'activité politique de tous les partis politiques de la nation. Il y a deux groupes. Il y a un groupe qui est, j'appelle le parti qui sont purement parti national, qui fait la démocratie à niveau national. Il y a un petit groupe qui fait la politique à niveau peut-être de l'extérieur, parce qu'il toujours il demande l'appui de l'extérieur. Mais il y a la majorité qui pense que la responsabilité de notre politique, c'est à niveau national. Parce que nous pouvons constater en ce moment que si nous n'avons pas de développement, si nous n'avons pas de sécurité de développement économique de notre pays, c'est à cause de la barrière que certains partenaires nous posent, qui nous fait passer les doléances que nous avons aujourd'hui à niveau de notre développement. Je pense que non seulement à niveau de la Guinée équatoriale, c'est un message que je pourrais dire à tous les Africains. Nous devons prendre la responsabilité d'amener tout notre processus politique et économique sans avoir l'espoir que toujours nous avons de l'extérieur. Monsieur le Président, si vous voulez bien, on va aborder donc la coopération. Quel type de relation vous entretenez avec les pays de la sous-région, c'est-à-dire vos pays voisins? Ah bon, je pense que c'est une coopération positive, parce que c'est moi qui a rompu le barrière que nous avons à niveau régional. Vous savez que la Guinée, c'est le seul pays, non seulement à niveau régional, c'est le seul pays de tout le continent qui parle espagnol. Mais c'était une barrière, une difficulté que nous posait pour le développement à niveau africain et à niveau régional.
C'est moi, pendant mon régime, j'avais pensé que nous devons développer avec notre frère de la sous-région. C'est la raison qu'on m'avait amené à faire que le pays s'intègre dans la sous-région comme membre de l'ODEA, de la zone franc, de la CAC, de tous les organismes qui sont de l'Afrique centrale. Et à niveau africain, nous tentons de partager tout le problème africain avec notre frère africain. Mais votre particularité, Excellence, est également votre bilinguisme aujourd'hui, puisque vous êtes entré dans la grande famille de la francophonie il y a moins de 10 ans. Alors quel bilan vous faites aujourd'hui de cette francophonie au niveau de la Guinée équatoriale, de ce bilinguisme? Je pense que le bilinguisme a fait que la Guinée équatoriale sente bien sûr pour le développement des relations avec son partenaire, c'est-à-dire le pays africain et le pays qui sont de la francophonie. Bien sûr la France, parce que c'est la France que c'est lui qui c'est le leader de tous les membres de pays qui sont de la francophonie. Je pense qu'aujourd'hui, à notre pays, on développe la façon comment nous pouvons dominer la langue française. Aujourd'hui, le français, qui était une langue inconnue au niveau de la Guinée équatoriale, aujourd'hui, je peux dire qu'un 30% de la population parle aujourd'hui le français, ils comprennent bien le français, ils n'ont pas de problème en ce qui concerne la relation avec notre voisin, avec la France. C'est-à-dire que c'est un succès pour nous. À propos de la France, quel est l'état de la coopération entre la Guinée équatoriale et la France? La France est un partenaire vraiment très mûr, qui connaît toutes les douleurs que souffrent tous les pays africains. Grâce à la France, aujourd'hui, si la Guinée peut sentir un peu sûr à ce qui concerne l'économie, c'est grâce à la France. Parce qu'après de notre entrée dans la zone franc, aujourd'hui, nous n'avons pas de problème qui concerne les relations, disons, commerciales, relations économiques avec le pays de l'Afrique centrale, avec ce qui concerne les transactions avec tout le monde, c'est-à-dire grâce à la sécurité qui nous donne le franc CFA, c'est-à-dire grâce à l'appui que la France avait donné à la Guinée équatoriale. Je pense qu'en ce qui concerne la coopération, c'est la unique coopération bien sûr que nous avons en ce moment, parce que malheureusement l'Espagne avait suspendu ses coopérations avec la Guinée équatoriale de façon unilatérale. Jusqu'à maintenant, nous ne connaissons pas les raisons de la suspension de ces coopérations avec l'Espagne. Justement, Monsieur le Président, lorsqu'on écoute certaines rumeurs qui prétendent que parfois vous êtes l'homme des Français, parfois vous êtes l'homme des Espagnols, finalement, on n'arrive pas à cerner de quel côté bat votre cœur. Bon, je pense que c'est la physionomie que je dois présenter à niveau de la politique de la Guinée équatoriale, parce que vous savez que la Guinée, c'est une ancienne colonie espagnole. La langue officielle, c'est l'espagnol. Mais en ce moment, nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas hispanophones. Nous sommes hispanophones parce que c'est la langue officielle. Aujourd'hui, on a attaché à la francophonie parce que nous pensons qu'avec le français, nous pouvons avoir la porte ouverte par tout le monde, parce que sauf à niveau de le pays de l'Amérique latine, mais à niveau africain, avec le français, nous pouvons partager, nous pouvons avoir des relations, des coopérations à niveau linguistique avec tout notre partenaire qui sont africains. Est-ce que la situation de crise que vit la Guinée équatoriale avec l'Espagne n'est pas due au fait justement que vous soyez rapproché de la France? Bon, je pense que nous ne pouvons dire que notre approximation à la France, c'est à cause de la crise espagnole. Non, la crise a duré longtemps. Nous tentons de résoudre notre crise avec l'Espagne, sans perdre notre relation avec la France. Parce que l'Espagne, vous savez que nous sommes attachés pour raison de culture, pour raison de linguistique avec l'Espagne, et non seulement l'Espagne, nous avons aussi
de pays frères qui parlent espagnol, comme le nombre de pays latino-américains. C'est-à-dire, nous devons faire tous les efforts de la même façon que nous demandons à l'Espagne de faire les efforts pour arranger le problème qui correspond à notre relation de coopération. Nous avons des relations d'amitié, mais en ce qui concerne la coopération, parce qu'aujourd'hui, la Guinée équatoriale a besoin d'une aide, surtout dans le secteur de base, l'éducation, la santé, et surtout le développement comme l'agriculture. Parce que l'Espagne, je pense qu'elle doit comprendre que les raisons politiques ne doivent être supérieures à la raison des supervivants que nous devons défendre. Parce que l'Espagne aussi a des problèmes. Elle doit connaître que le problème de la Guinée, c'est meilleur. C'est-à-dire, au lieu d'imposer les sanctions, les blocages pour raisons politiques, je pense que la Guinée équatoriale développe un programme politique réaliste, parce qu'on a fait les élections législatives, les élections municipales, nous sommes en veille des élections présidentielles. Je pense que tout le monde doit connaître les efforts que fait aujourd'hui la Guinée équatoriale. Au lieu de penser sur les problèmes de changement de la personne, je sais que le problème d'Espagne, c'est le problème des personnes, mais comme un pays puissance qui a colonisé la Guinée équatoriale, doit être comme le partenaire, le père de tous les Équato-Guinéens. Nous doit donner beaucoup d'importance à certains groupes plus que les autres. C'est-à-dire, il y a certaines situations que je trouve que c'est un faute pour la politique espagnole en ce moment en Guinée équatoriale. Alors, un chapitre économique, Monsieur le Président, on a constaté qu'effectivement, vous êtes donc l'initiateur du processus de démocratisation qui a réussi, nous l'avons dit, mais on constate également que l'économie n'a pas suivi. Il y a des gens, des jeunes qui pensent que vous aviez formé des jeunes cadres, ils sont diplômés, ils sont même pas, parfois universitaires, mais ils sont tous au chômage, pour ainsi dire. Pourquoi l'économie n'a pas suivi? Pourtant, vous avez réussi dans le domaine politique. Je pense que le problème économique, c'est très complexe au niveau de l'Est africain, parce que doit avoir un programme qui permet à l'Est africain de faire que tous les citoyens travaillent pour l'économique. Mais je pense que ce n'est pas pour l'échec. C'est un problème de mentalité des gens qui pensent que, par exemple, le jeune cadre qui en a fini les études universitaires, tout le monde veut être encadré dans l'administration. Mais aujourd'hui, l'administration de notre pays, comme un petit pays, c'est limité. Nous pouvons prendre tous les cadres pour l'administration. Mais aujourd'hui, il y a des sociétés qui travaillent chez nous, par exemple les sociétés pétrolières. On a affecté beaucoup de cadres dans les sociétés pétrolières qui travaillent en ce secteur. Les sociétés forestières, il y a beaucoup de cadres qui sont affectés dans les sociétés forestières. Mais il y a une quantité, un certain groupe qui toujours demande l'entrée dans l'administration. Mais l'administration ne peut pas recevoir tout le cadre. C'est le problème que pose aujourd'hui à notre pays. Mais nous pensons quand on va améliorer un peu l'économie, peut-être, si on réussit pour le secteur pétrolier, nous pensons à organiser, non seulement avoir d'espoir pour le pétrole, nous devons organiser les façons comment nous pouvons profiter le revenu pétrolier pour organiser le secteur qui nous donne des recettes, par exemple la pêche, le même secteur forestier, qu'aujourd'hui on gaspille notre forêt. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui exploitent notre forêt. Et nous devons organiser pour la transformation de notre bois sur place. Il y a par exemple certaines sociétés que nous pouvons organiser, par exemple la construction de logements pour les familles, la construction des routes. Nous devons faire que tout le monde travaille.
tout le cadre doit travailler, doit donner les connaissances qu'on a, achetées, on a à recevoir dans les universités pour donner quelques contributions pour le développement de notre pays. Monsieur le Président, l'année dernière, vous avez signé votre deuxième accord pour le plan d'ajustement structurel avec les institutions de Bretton Woods. Êtes-vous satisfait, ou alors plutôt les institutions de Bretton Woods sont-elles satisfaites de ce que vous en avez fait? Mais je pense que le FMI, il est satisfait pour le rempli de la Guinée équatoriale, les conditions qu'on avait demandées. Mais il y a un problème que je pense que nous sommes en... C'est que je pense que nous sommes bloqués, non seulement à niveau de FMI, même à niveau de la dévaluation de francs CFA, parce qu'on avait reçu beaucoup de promesses pour certaines institutions, par exemple le Banque mondiale, le FMI, la Communauté économique européenne, même la France, pour nous aider pour la dévaluation de francs CFA. Jusqu'à maintenant, l'aide que la Guinée a reçue, c'est peu. L'institution de Bretton Woods, on a fait tout pour recevoir l'approbation de le programme de réajustement structurel. Mais il y a un problème qui pose, c'est le problème politique. Ce que je dis, parce que les institutions nous doivent aider pour le développement économique. Mais nous ne devons pas recevoir les blocages, les pénalisations pour le problème politique. Qu'est-ce qu'on reproche, Monsieur le Président, à la Guinée? Pourquoi ce blocage dont vous parlez? Bon, on parle que le processus n'est pas transparent. On dit que nous devons faire les choses conformément les instructions qui viennent d'Europe. Mais je pense qu'un processus interne, c'est pour notre pays. Parmi les secteurs dont parlaient les institutions de Bretton Woods pendant la signature de ces accords figurait le secteur des télécommunications. Quel est l'état de ce secteur aujourd'hui? Bon, je pense que nous avons des relations à niveau bilatéral qui va avec la France. On va améliorer les problèmes de communication. Je pense que on attend toujours pour améliorer tout notre système. L'aide que nous attendons à niveau non seulement des coopérations multilatérales, mais aussi pour les coopérations bilatérales, parce que je pense que les raisons politiques nous doivent être au-dessus des problèmes à niveau des sociétés, à niveau des populations, parce que notre population subit aujourd'hui avec beaucoup de problèmes, par exemple les problèmes des maladies. Mais il y a des problèmes que posent aujourd'hui certaines institutions à cause de la pression qu'ils reçoivent de certains partenaires. Vous me donnez l'occasion, Monsieur le Président, avec cette transition sur la santé, de parler justement de ce domaine qui est capital pour les pays africains en voie de développement. Il y a quelques dizaines d'années, il y avait un slogan très à la mode, santé pour tous en l'an 2000. Est-ce que cet objectif va être atteint par la Guinée équatoriale? Bon, on travaille à notre niveau parce que nous pouvons dire qu'on va atteindre les objectifs qui préconisent aujourd'hui les institutions de santé internationales, mais nous faisons tout ce qui soit nécessaire pour surveiller pour la santé de notre citoyen. Mais en ce moment, je pense que, sauf certaines épidémies qui présentent subitement, par exemple, le diarrhée, on a subi dernièrement des affections hépatiques, mais en ce qui concerne les maladies normales, on domine la situation. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui les écoles sont suffisantes? Aujourd'hui les formateurs et les professeurs sont suffisants? Comment fonctionne le système éducatif en Guinée équatoriale aujourd'hui? Bon, je pense que c'est un problème qui pose à tous les pays africains. Nous ne pouvons dire qu'aujourd'hui le système est satisfaisant parce que nous avons moins de professeurs, nous avons moins d'écoles, mais on fait beaucoup. Par exemple, on a signé un accord avec le Banque mondiale, avec le Banque africaine de développement pour la construction des écoles. Il y a un programme de formation des professeurs. C'est-à-dire maintenant,
on va surmonter tous les problèmes qui concernent l'éducation. Aujourd'hui, on a subi beaucoup parce que c'est un secteur qui était dominé pour la coopération espagnole. En ce moment, nous n'avons pas aucune coopération, mais je pense qu'aujourd'hui, notre niveau, c'est normal. Il y a beaucoup de gens qui dominent aujourd'hui tout l'enseignement à niveau technique, à niveau de base. C'est-à-dire, même il y a des gens, d'étudiants qui reçoivent les diplômes pour aller à étudier avec bourse que nous donnent certains pays amis pour étudier à l'extérieur. En même temps, nous avons certaines institutions à niveau universitaire, par exemple, nous avons l'école d'agriculture qui s'occupe de la formation de techniciens pour l'agriculture, pour la forêt, pour la pêche. C'est-à-dire, aujourd'hui, le secteur, pour nous, c'est à notre niveau actuel, c'est satisfaisant. Cette année a été déclarée année africaine de l'éducation. Est-ce que vous avez des priorités en matière d'éducation au niveau de la Guinée équatoriale, en dehors du fait que vous estimiez qu'il n'y avait pas assez d'établissements? Aujourd'hui, notre relance, c'est à niveau de matériel. Nous n'avons pas de matériel didactique, c'est-à-dire le texte pour l'éducation, pour faire que les étudiants puissent étudier dans les livres. C'est-à-dire, en ce moment, c'est le secteur qu'on va étudier de façon comment nous pouvons produire notre propre texte à niveau national. Parce que quand on demande le texte qui vient de l'extérieur, toujours nous avons beaucoup de difficultés. Je pense qu'il doit y avoir une petite industrie qui peut produire le matériel didactique pour toutes les écoles. Monsieur le Président, une dernière question. En tant que femme, je m'en voudrais de ne pas vous la poser. Qu'est-ce que vous faites en matière de promotion féminine? En ce qui concerne la promotion de la femme, on a fait beaucoup. Je pense que en premier lieu, les femmes doivent se former culturellement parce qu'elles doivent avoir des niveaux comme les hommes. En Afrique, il y a une tradition de faire que les femmes reçoivent moins de formation. Aujourd'hui, ce que nous avons fait, c'est que toutes les femmes reçoivent de bonnes formations comme les hommes. En ce sens, il y a des cadres à tous les niveaux de femmes. Et à niveau du gouvernement, vous savez que ce n'est pas facile d'attacher des femmes à tous les niveaux, mais en ce moment, il y a des femmes qui sont responsables de la direction des départements ministériels. Et on avait des femmes qui sont à niveau d'ambassadeur, de directeur, de secrétaire général. C'est-à-dire, les femmes aujourd'hui n'ont pas de barrières, il n'y a pas de difficultés en ce qui concerne la responsabilité administrative pour les femmes. Aujourd'hui, les institutions bancaires donnent aux trois des crédits. Il y a des femmes qui dirigent aujourd'hui des sociétés, qui font le commerce, qui font des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes sont à un niveau, je pense, que assez que nous pouvons respecter. De tous les 13 leaders de l'opposition équato-guinéenne, deux ont une dimension internationale qu'ici, nul ne leur conteste. Journaliste de son État, Severo Motto, président du Parti du Progrès, fut de 1979 à 1981 secrétaire d'État à l'information dans le gouvernement de Teodoro Obiangema Bazogo. Politicien de la première heure, Andreas Moses Mbaada dirige lui l'Union populaire. Il fut pendant de longues années président du Conseil d'État. Tous deux, en 1993, avaient appelé au boycott des législatives. La déclaration d'intention d'unir leur formation politique, signée il y a 3 ans à Madrid, n'ayant pas abouti, malgré les excellents rapports qu'ils déclarent entretenir, les deux hommes font cavalier seul pour le scrutin du 25 février, qui pour eux n'est pas conforme aux règles démocratiques. Yo creo que constitucionalmente las elecciones presidenciales de Guinea Ecuatorial estaban previstas. On ne trouve pas d'explication que les élections soient anticipées pour le 25 février. Nous on attendait les élections vers le mois de juin, mais là, ça ne veut pas dire que moi je n'étais pas préparé, mais on était simplement un peu surpris. No encontramos ninguna explicación. Si entramos en esta dinámica, yo. Puisque c'est le président qui donne ce qu'il croit faire,
Donc, on est là, on ne doit qu'accepter ce qu'il a décidé. La situation est très difficile. Et je ne pense pas que les élections seront transparentes et honnêtes. Je dis ça parce que des élections municipales de l'année passée, on avait gagné des élections en province de Kientem et nous avons, le gouvernement avait confisqué les résultats. S'ils reconnaissent que la tenue d'élections pluralistes est un signe de l'avancée démocratique dans le pays, ils émettent cependant quelques réserves sur le bilan politique et économique de l'actuel président. Moi, en tant que leader, avec toutes ces potentialités qu'il a le pays, par exemple le pétrole, les mines, tout le pays, la Guinée équatoriale, peut bien vivre. Donc, nous, moi, comme le leader de l'opposition, j'espère qu'avec ma force, que le peuple est avec moi, et si Dieu le veut, qu'on prend le pouvoir, avec toutes ces potentialités qu'il y a à la Guinée équatoriale, comme je viens de dire, le pétrole et toutes les autres mines souterraines de la terre, on arrivera à que tous ces pays, toutes les populations de la Guinée équatoriale puissent mieux vivre. Nous, on sait que dans les années 60, la Guinée équatoriale, c'était le meilleur pays de l'Afrique centrale. Dans le domaine de la santé, de l'économie, de l'éducation, la Guinée équatoriale venait en première place. Donc on ne comprend pas pourquoi maintenant, en Guinée équatoriale, dans le domaine de la santé comme de l'éducation, on est vraiment au bas-fond de toutes les choses. Je continue à dire que les 7 années du processus démocratique qui a amené le président Obiang sont négatifs. Pourquoi? Parce que on torture des gens, on font des confinements extrajudiciels. La justice est impotente et il y a des séries de choses qui on trouve dans son période de pouvoir. Perle de l'Afrique noire dans les années 60, la Guinée équatoriale est pour le leader de l'UP, comme pour celui du PP, un pays où le temps s'est arrêté, d'où sa mise au banc de la communauté internationale. Mais tout peut repartir, affirme-t-il, car les potentialités existent, il suffit d'établir des priorités. Nous, on a 5 priorités pour notre pays. D'abord, premièrement, l'éducation, parce qu'un peuple sans culture n'est rien. La santé pour tout le monde, parce qu'on sait que la Guinée équatoriale a trop souffert, la santé vraiment, on ne peut pas dire que ça va mieux. Donc on pense que c'est l'un aussi dans les priorités pour le Parti du Progrès. Et l'environnement, tant pour la Guinée comme tous les étrangers qui arrivent en Guinée, ils doivent trouver un pays bien situé. Donc la communication, c'est la 4e priorité. Vous voyez, il n'y a pas de route. Pour les autres pays limitrophes, on ne peut pratiquement pas pratiquer la route. Donc ça aussi, ça rien. Ça fait notre priorité. La 5e priorité, c'est l'énergie. Comme vous savez, un pays sans industrie, sans énergie, rien ne peut pas marcher. Le premier point de l'Union populaire pour des élections présidentielles, ce sera la réconciliation et le pardon. Le deuxième point, c'est la reconstruction du pays. Le 12 octobre 1968, c'est le jour de l'accès de la Guinée équatoriale à l'indépendance. Depuis là, jusqu'à aujourd'hui, on note dans tous les coins que le pays a été ravagé, détruit. Le troisième point sera de rendre la justice l'indépendance le plus sûr possible, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, les 3 pouvoirs de l'État,
c'est-à-dire le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Accusé d'être soutenu par l'Espagne, qui souhaite le départ de l'actuel chef de l'État, Severo Moto et Andreas Moses Mbaada qualifient ces allégations de rumeurs. C'est une affirmation absolument fausse. Moi, je suis candidate pour les élections présidentielles de la Guinée équatoriale. Bon, si moi j'ai un renommé international, cela veut dire que moi, je suis capable de gouverner ce pays. Donc, moi, je ne peux pas nier ce que le peuple veut que je sois. Donc, si je suis renommé internationalement, c'est parce que c'est pour les poids que j'ai. C'est vrai que j'ai des amis en Espagne, il y a des... Le Parti du Progrès aussi, ça se trouve en Espagne. Il est vrai que je puisse être la seule personne qu'on voit que moi, je peux bien mener le destin de ce pays. Bueno, je peux vous assurer que, en tant que président d'une partie d'opposition, je ne peux pas appuyer la candidature de Monsieur le Président de la République, mais à ce qu'on dit du candidat soutenu par l'Espagne, je ne les connais pas, je ne peux pas vous dire. En attendant le scrutin au siège du Parti du Progrès, situé à mi-chemin entre le quartier général du PDGE et celui de l'UP, des militants inspirés ont déjà composé l'hymne de la victoire. Le régime totalitaire et ubuesque de Francisco Macias Guema et la peseta équato-guinéenne, les Kwele, n'ont guère favorisé l'essor économique de ce pays au sol et sous-sol riche. Le redressement économique entrepris dans les années 80 avec le concours du FMI et la fin de l'isolement économique avec l'entrée en 1983 et 1985 à la CEAC et dans la zone franc ont été d'un appui salutaire pour cette économie exsangue. On est entré dans une grande famille de 14 États membres avec la monnaie commune, c'est-à-dire le franc CFA. Et ça nous a permis d'avoir des essences commerciales. Et aussi ça a permis à tous les citoyens équato-guinéens de pouvoir se déplacer dans tout le pays de la zone franc, même au-delà, pour faire des activités commerciales. On a conclu un accord avec effectivement, avec le Fonds monétaire international, le mois de mai 1994. Malheureusement, au mois de septembre, cet accord est devenu un programme ombre, étant donné que tous les objectifs ne tenaient pas atteinte. On a relevé le prix de services concernant comme le téléphone, l'électricité, et aussi le contrôle de dépenses publiques, le contrôle de recettes, c'est-à-dire vers l'augmentation des recettes publiques de l'État aussi. Et on a appliqué le programme régional de réforme fiscale douanière, comme les autres États de la zone. Aussi, on est allé dans le Club de Paris, on a négocié de la dette extérieure avec des bailleurs de fonds comme l'Espagne, la France. Et tout ça a été bien marché jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, les données ne sont plus les mêmes. Il y a du pétrole et du gaz. L'or noir est exploré offshore, au nord-ouest de l'île de Bioko, par la société américaine Mobil Oil. Les premières productions, soit 40 000 barils par jour, sont attendues pour juin 1996. Quant au gaz, il est exploité depuis 1991 par la société Nomeco. La production est de 7 000 barils par jour. Et à compter de novembre 1996, est envisagée la commercialisation du butane et du propane. L'aide de la France est attendue pour l'organisation du secteur minier, les gisements aurifères étant jusqu'ici exploités de manière artisanale. Les perspectives sont donc bonnes, mais à Malabo, on veut garder la tête froide. Le perspectif est que se dessine à l'horizon nous situe à cibler des priorités dans le développement de notre économie, développement de l'énergie, comme la force motrice de développement économique, le secteur de la santé et de l'éducation sont des secteurs qui occupent
les priorités des priorités dans l'activité économique, les infrastructures de base aussi, c'est-à-dire les infrastructures routières, les communications. Donc là, vous voyez que maintenant, on est en train d'automatiser la communication téléphonique via satellite. Et pourquoi pas, vous savez que même si on a la perspective d'avoir des ressources pétrolières, ces ressources ne sont pas renouvelables. Alors, on devrait investir dans le secteur productif, c'est-à-dire l'agriculture, la pêche, l'élevage. Le budget de cette année 96 a été arrêté concernant les recettes à 16 888 millions de francs CFA et pour les dépenses 20 868 millions. Alors il y a un déficit initial de 3 milliards de francs CFA. Même on n'a pas prévu tout le possible recettes parce qu'on n'avait pas encore, au moment de préparer ce budget, les chiffres exacts de ce que va supposer les recettes pétrolières cette année. Et alors effectivement, on prévoit qu'à partir du mois de juin prochain, l'exploitation de pétrolière dans le camp Safiro par l'entreprise United Meridian Corporation, le mobile va commencer l'activité. Et ça va avoir effectivement un effet immédiat dans le budget. Mais là, nous sommes très prudents. Nous sommes très prudents et nous voulons quand même attirer beaucoup l'attention sur ce produit parce qu'on doit conscientiser la population de tout d'abord investir dans le secteur productif. Rompu aux opérations financières, Anatoly Ondongba est fier du modèle économique adopté par son pays avec l'aide de la Banque mondiale. C'est, assure-t-il, une garantie pour les opérateurs économiques qui veulent investir en Guinée équatoriale. Le gouvernement a eu le souci de mettre en place un code d'investissement très libéral et très attractif pour les investisseurs. Et on a appelé à l'agence multilatérale d'investissement, le groupe de banque mondiale, pour nous aider à réaliser un code d'investissement. Et le résultat a été très positif, effectivement. Et ça donne des bénéfices aux investisseurs qui veulent quand même venir opérer dans le pays. Le même a été fait dans le secteur pétrolier, parce que cet intérêt pour certaines compagnies, après qu'on a travaillé à peu près 10 ans à partir de l'année 80, sans beaucoup d'intérêt par certains opérateurs économiques du secteur pétrolier, mais à partir de ces mesures de code d'investissement et de loi sur le pétrole et tout ça là, on a eu cet intérêt. Aujourd'hui, on a deux entreprises qui sont établis dans le pays, et Nomeco, avant était le Walter, aujourd'hui c'est Nomeco qui a cité le plan Alba, portion de gaz, et le groupe United Meridian avec Mobil. Malgré des indices rassurants pour l'avenir, de $300 en 1989, le PIB par habitant est aujourd'hui de $500, les secteurs clés sont à la traîne, les raisons d'un paradoxe. L'Espagne a coupé unilatéralement la coopération. La communauté économique européenne n'a pas débloqué le fonds. Alors tout ça a eu des incidences dans les scolarités et dans la santé. C'est-à-dire que si à Malabo, on devait déjà arriver à changer toute l'infrastructure d'adduction d'eau. Ici, à Bata, il n'y a pas de eau courant. Mais je crois que nous espérons qu'après ces élections, on va arriver à débloquer tout ce projet de la communauté économique européenne. Et aussi avoir le concours de plusieurs de notre bailleur de fonds. Certains Équatoguinéens ont pensé que pour faire mieux la campagne politique, il faudrait préconiser le blocage de développement équatorien, en oubliant que ce blocage aurait porté perjudice à tous les Équatoguinéens. C'est ça qui est arrivé, c'est-à-dire. Et qu'aujourd'hui, les ressources financières ne sont pas très faciles à obtenir parce qu'il y a besoin partout dans le monde. Quand vous dites qu'on bloque l'assistance financière dans votre pays, le lendemain, ces ressources financières vont aller à un autre pays qu'on a besoin. C'est ça qui est arrivé. Alors, peut-être qu'on pensait qu'au moment de changement, que quelqu'un autre arrive au pouvoir, ces ressources seront mises à disposition, mais et après, même le projet aurait devenu plus cher qu'avant. Alors, ce n'était pas une façon de voir des choses très logique. C'est sauvé dans le jardin.
Cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché sous un chou. Remuant son nez, il se moque du fermier. Cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché sous un chou. Moi, je m'appelais Madame Tarsicia Marcel Sambo. Ma âge est 50 ans. Je suis maître de l'enseignance primaire. Moi, venu ici à l'école de magistère, il est son carrière. Moi, c'est connaître les parler français. C'est un francophile à l'allure estudiantine et au récent passé de diplomate, Agustín Zefumu, qu'a été confié il y a 4 ans le département de la culture, du tourisme et de la francophonie. Malgré la résistance des hispanophones, la langue de Molière a depuis 1985, date de l'admission de la Guinée équatoriale dans la famille francophone, connu un bel essor. Moi je dirais que c'est un bilan plutôt positif, puisque la francophonie, l'intégration de la Guinée équatoriale à la francophonie nous a permis d'intégrer un espace économique, culturel, beaucoup plus vaste, avec énormément de possibilités pour la Guinée équatoriale. Puisque si vous connaissez bien l'histoire de la Guinée équatoriale, elle est le seul pays hispanophone en Afrique. Et cette hispanophonie, si bien c'est une peculiarité, la Guinée équatoriale, mais toujours est-il aussi que c'est un handicap pour un pays, un petit pays comme la Guinée équatoriale, et je dirais coincé un peu entre un vaste monde francophone et entouré de deux pays francophones. Et au niveau de l'Afrique déjà développée, c'est-à-dire le Cameroun et le Gabon, alors la Guinée équatoriale se devait d'intégrer pour briser l'isolement que, si vous voulez, son histoire culturelle l'imposait. Ce besoin d'intégrer aussi et de mieux s'entendre avec ses frères de la communauté bantou, alors imposer la Guinée équatoriale d'intégrer la francophonie, parce que c'est la langue, c'est un véhicule et de compréhension pour nous les Africains, que malheureusement très peu de nous avons l'écriture, nous ne pouvons pas nous communiquer par l'écriture, alors la francophonie, alors pour la Guinée équatoriale, s'imposait comme une nécessité. À l'école française de Malabo, créée en 1986, une quarantaine d'élèves suivent des cours de la maternelle en troisième. Aux adultes, des cours sont dispensés à l'Institut culturel d'expression française. En l'espace de 13 ans, l'ICEF a formé 130 enseignants équato-guinéens. Quant aux membres du gouvernement et aux directeurs généraux, dans le cadre du projet d'appui à l'enseignement du français, ils suivent 3 heures hebdomadaires de cours particuliers. Si les autorités du pays sont fières de cette francophonie vécue au quotidien, elles avouent cependant qu'elles gagneraient à être plus actives. La francophonie a besoin de se faire connaître, de se faire voir en Guinée équatoriale. Parce qu'il y a des projets. Par exemple, il y a un projet, le français, langue étrangère. Moi, je ne comprends pas pourquoi on instaurerait un projet français langue étrangère en Côte d'Ivoire, par exemple, je dirais même au Cameroun, où la langue officielle, c'est le français, et pas en Guinée équatoriale. Alors voilà des projets qui devaient venir effectivement en Guinée équatoriale, parce que c'est ici que le français a besoin d'une installation, d'une implantation effective, et d'autres projets de développement et d'insertion des communautés, vraiment à mieux connaître le français. Mais nous, au niveau du ministère, nous faisons des efforts, et nous sommes en train de vouloir créer une association de francophones, mais nous le faisons seuls. Ah, et vous savez, dans une ambiance, disons, je ne dirais pas hostile, dans le vrai sens du mot, mais qui étant hispanophone, alors l'instauration d'une société francophone ne peut être regardée comme une affaire assez bizarre, mais voilà notre lutte dans mon ministère. Après 2 siècles de colonisation et malgré les relations passionnelles entre Madrid et Malabo, la flamme hispanique est entretenue par le centre culturel hispano-guinéen de Malabo, qui a également une antenne à Bata. À l'affiche, sport, lecture, cinéma et musique. C'est ici que les artistes en herbe font leur première scène. Juntos los dos, tú y yo,
aquella noche en que vivimos juntos los dos. Me dijiste tú que pensarás mucho en mí, aquella noche para mí. Tuve que decir que vas a ir de vacaciones para no volver. Autre atout de ce pays qui ne demande qu'à être connu, les nombreux sites paradisiaques égrenés le long de la côte atlantique. Malheureusement, le tourisme ici est encore à l'état embryonnaire. Les capacités hôtelières sont insuffisantes et seules quelques agences de voyage ont pignon sur rue. Je dirais la priorité que le ministère s'est fixé, c'est d'abord de faire un travail d'information et peut-être d'information et d'identification d'abord des potentialités touristiques, d'une espèce d'inventaire touristique, de quelles sont nos potentialités, essayer de les recenser en vue, après, de faire un travail de publicité, de vente de cette image, parce qu'on ne va pas visiter ce qu'on ne connaît pas. Alors voilà ce que nous faisons et nous avons déjà commencé avec par manque de moyens internes. Alors nous avons fait recours à certaines sociétés étrangères, agences de voyage, agences touristiques, alors certains ont accepté d'assurer cette propagande, cette promotion touristique de la Guinée équatoriale. Bon, nous avons commencé par l'Espagne, il y a d'autres, par l'Italie, qui en demandent et nous sommes petit à petit en train de faire un travail avant de penser à faire du tourisme en soi. Au plan culturel, la prise de conscience du label Bantou, que le pays veut aujourd'hui exporter, date du coup de la liberté de 1979. Et si la première des priorités demeure la protection des droits des artistes, la seconde est la volonté d'affirmer cette culture aux origines plurielles, dont le principal support est la musique. Le petit pays que nous sommes, alors, est toujours soumis à des pressions de musique et de courants qui viennent d'ailleurs. D'abord avec le Cameroun, nous le subissons, vous voyez. Et le problème aussi, la similitude ethnique qui existe, et puis c'est la même musique. Alors comment faire une musique proprement équato-guinéenne, par exemple du côté continental, comment vraiment s'évader ou bien s'échapper du Bikutsi, par exemple? On ne peut pas, parce que c'est la même musique, on fait du Bikutsi en Guinée équatoriale aussi. Mais comment lui donner vraiment un accent et un caractère purement équato-guinéen? Voilà où je base l'avenir et de la musique équato-guinéenne. Au niveau de notre musique, je vous le dirai, c'est Maëlé, je le dirai très franchement, parce que je vais vous dire une chose très curieuse. J'ai assisté au tout début de Maëlé, c'était vers les années 72, alors quand il jouait la guitare sèche, là, et lui, il a réussi à faire une musique équato-guinéenne. Alors d'abord, il a nommé Machacando. Machacando, c'est son rythme, et c'est vraiment de la danse et du folklore et guinéenne, équato-guinéenne, qu'il a modernisé, si vous voulez, un peu. Alors pour moi, c'est le meilleur. Vamos a pasarlo bien con los jóvenes del grupo Antorcha. Antorcha, oye! Oye! Bongo ite ayer biana bizingi bobo bikebe bamungbing bikoma na mafulu bikama na mwa bipelungura sama sama torcha ibo torcha bana bon yaja kuran sama bundoman abina ya baba pam bipelungura sama bakabalunjewa. Yep.
get over Bamabuno, Bambamonete, the Rin and Jamobia, the Paton. Ah, oui. Antorcha, oh yeah! Oh yeah! Luquito! Luquito, la mercader, que te va a durer sa main, tu sais, quoi là, te le va. Chele a te le va, venta e chuaca, e su sa buon angono, chuca guaya al sidi, yo wanna do a. Chico, what's it? Muate ma arriba, ti mi verta le carri, yo subita, ya ze ze linda, da suave ben ambura insama, ma insama doccia. Atentamente a los coordinadores de todos los distritos y provincias. Un saludo especial al hermano militante don Lucas Jemison, coordinador general de Antorcha. A mover si culo, mi maya llegue mamá. Yarrey Malabu, Makumuwa Yenantocha. Abobe Shikulo, ya Carlos Luanga. Eh, Makumuwa Yenantocha. Abobe Shikulo, Abon Yena. Eh, Makumuwa Yenantocha. Riverto e Zambu.